C'est une entité de coordination administrative du district. Et le fait que nous ayons un nouveau district, eh bien, ce fait vient pour réjouir le district de la mesure où il y aura moins de charges administratives pour le surintendant. Nous voulons donc venir le Seigneur pour tout le travail qui se fera en termes d'évangélisation, en termes d'édification, en termes d'action sociale, et surtout tout ce qui se fera en termes d'administration. C'est donc un circuit assez dynamique, et le Seigneur a permis à ce circuit de le prouver à travers maintes initiatives, et nous voulons croire que ce circuit, à partir de cette érection, eh bien, ira en plein haut dans toutes les charges qui sont les siennes. Nous croyons que les charges administratives, nous croyons que tout ce qui a lieu de faire comme évangélisation, comme encadrement du peuple de Dieu, que tout cela sera beaucoup, beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas? Cela me venait avec beaucoup de plaisir, je veux dire. Nous bénissons le Seigneur, je vais prier pour le surintendant qui continuera, n'est-ce pas, de servir cette fois en tant que pasteur principal, mais qui sera aidé dans sa tâche efficacement par le pasteur Kida, ainsi que le responsable du secrétariat, ainsi que tous les pasteurs en charge, ainsi que tous les responsables laïcs. Gloire soit donc rendue à notre Dieu qui nous donne d'assister à l'avènement du circuit de Niangon. Il faut donc avancer. On ne dort pas sur les lauriers. On est debout. Quand on est, on avance, et à un moment donné, on est debout pour avancer, cueillir les fruits à la gloire de notre Dieu et pour le peuple de Dieu qui attend d'être poussé en avant. Toute la gloire.